Dame Levière, rendez-vous avec Alain Ménien, sculpteur sur fer, ancien du chemin de fer. En 3 minutes, Alain nous raconte son Dame Levière. Écoute, je suis venu à Dame Levière pour le prix d'une maison qui n'était pas chère. Ça rime, ça fait un peu de poésie aussi. Ici, on s'y plaît bien. On s'y plaît bien. Puis tout le monde se connaît, c'est... Ouais, c'est très convivial, puis on s'aide. C'est super. Merci, bonne journée. Allez, un petit tour chez Michel, le voisin d'en face. J'ai toujours préféré aux voisins, mes voisines. Non, on a fait du parapente ensemble. On a fait du parapente pendant 10-12 ans, 15 ans. On s'envoyait en l'or ensemble. Mais on s'est régalé. Et hop, on se retrouve en direct du jardin du Michel. La descente, Au moins 200. Hein. 200 plantes différentes. À peu près, hein. Moi, j'ai reconnu qu'un nom, c'était l'aristoloche. C'est un arbuste qu'on mettait au fond du jardin. Ça remplaçait, on va dire, le papier journal. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Des grosses feuilles, larges, voilà. Souples et douces. Et la relation voisin-voisin. Ah oui, celle-là. Toujours un petit plaisir de se retrouver. Et puis là, par exemple, ma femme était partie. Tout de suite, il m'invite à manger. C'est bien, quoi. J'aime bien quand elle s'en va. Et vous, Michel, vous traversez aussi de temps en temps? Ah, je traverse. Oui. Ben, quand j'ai besoin de pain, par exemple. Bonjour. Bonjour. Oui. Voilà. Et voilà. Alain, tu viens tous les jours? Non, sauf le lundi. Parce que c'est fermé. Voilà. Non, mais c'est des petits trucs. Bon, ici, on a 3 boulangeries dans le coin, dans un petit rayon. Hein. Et là, je traverse la rue et je suis tout de suite... Et puis ça sent bon. Ça remplit le carrefour, là, le pain, là, l'odeur. C'est vraiment agréable. Voilà. Puis être toujours avec le sourire, c'est sympa comme tout. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et sur ce carrefour, on rencontre vraiment tout le monde. Alain venait tout juste de nous parler de Bruno, un des hommes ressources de la commune pour la culture, l'animation, le sport. Et paf, Bruno vient chercher son pain. Alors vous êtes monsieur Bruno Nonotte, ouais, 0673. Non, faut pas le donner. Vous faites quoi ici à Blainville? Ah non, Dame Levière, s'il vous plaît. C'est pas la même chose, Dame Levière. Je suis employé à la ville. Je suis employé à la ville dans le matériel des fêtes, électricité. Et je suis en même temps président du comité des fêtes de Dame Levière. Donc vous êtes un peu la cheville ouvrière? Le manager, on va dire, comme ça, c'est mieux. Bruno, vous l'avez compris, est un incontournable. Et Alain, dans tout ça? Très connu. Quand on a besoin d'une bricole ou de quelque chose, Alain est toujours présent. Toujours. Voilà, comme son épouse, voilà, comme tous les gens de Dame Levière. Quand il y a besoin, on est tous là. Dame Levière, de quoi s'y plaire. Et voilà, si les 3 minutes d'Alain sur son Dame Levière ont paru courtes, c'est gagné.